Situé à Saran, en Corrèze, le musée du président Jacques Chirac abrite la collection des objets offerts au président dans l'exercice de ses fonctions. La collection du musée est constituée de 5018 objets ou ensembles d'objets offerts au président de la République. 139 cadeaux sont présentés en exposition permanente et 1240 autres sont présentés dans la réserve visitable. Les 6 réserves de conservation renferment 3639 objets, soit plus de 72% de la collection qui n'est pas visible par le public. Objets ou œuvres d'art, pièces rares ou curieuses, ces dons sont de nature très variée. Jacques Chirac a décidé de les offrir au Conseil départemental de la Corrèze. Destinataire des cadeaux pendant son mandat, le président Jacques Chirac s'est fait à son tour donateur à travers cette collection qui comprend plus de 5000 objets et 17 000 livres. Les représentations présidentielles présentées dans cette exposition temporaire ne sont pas toutes des images officielles. Elles retracent la vie politique de Jacques Chirac à travers l'œil de l'artiste à la recherche parfois d'une autopromotion. Enfin, le portrait peut aussi prendre des formes plus surprenantes en fonction de la sensibilité artistique de son auteur, de ses références culturelles et de ses origines géographiques. Et puis sont exposés aussi les cadeaux des particuliers. Le président reçoit également beaucoup de cadeaux à titre personnel, à l'occasion de son anniversaire, du nouvel an, ou même sans occasion particulière. Cette seconde catégorie de présents, les cadeaux individuels, apporte un éclairage particulier sur les relations qu'entretiennent les donateurs français pour la plupart avec le président de la République.